Dear Rita, distinguished friends, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est avec le plus grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la Bibliothèque des Nations Unies à Genève. And I would like to extend a warm personal welcome to all of you. As officer in charge of the UNOG Library, I am particularly pleased that it is our Library Talks series that provides a platform for today's discussion. Because the UNOG Library is much more than a collection of 46 kilometers of books and 60 databases. Our library is about possibilities. Here, it is possible to meet, to catalyze discussion and debate between the organization, member states, and civil society. Here, it is possible to encounter one-of-a-kind archival treasures. And here, it is possible to make a difference, to change how future generations will think about interreligious dialogue. And the library is a place well chosen to build bridges of dialogue and friendship, bridges that are sorely needed. I would like to thank Monsieur Bouté for bringing this inspiring discussion to the UNOG Library. I would like to thank the panelists for sharing their insights with us. And I would like to thank my colleagues from the UNOG Library. Without your help, this event would not have been possible. Merci à tous et à toutes. To end, I wish this discussion a brilliant success. And with my sincere thanks to everyone, I wish all of you a pleasant stay here at the library. Thank you. Excellence, mesdames et messieurs, chers amis, merci à chacun d'être ici et à la Bibliothèque des Nations Unies de nous accueillir. Cette bibliothèque est en effet, comme vient de le dire Madame Ruth Hahn Reinert, non seulement une collection de ressources imprimées et électroniques, historiques et d'actualité, mais aussi un centre de dialogue sur tous les sujets qui concernent les Nations Unies, ce qui permet un complément aux réunions formelles qui se tiennent dans d'autres salles de ce Palais des Nations. Merci aussi évidemment à nos orateurs, à commencer par Don Patrick Delaubier, auteur de cet ouvrage « La civilisation de l'amour » selon Paul VI, et je dois dire aussi auteur de nombreux autres ouvrages, dont celui qui vient de sortir sur les conditions d'une paix mondiale prophétisée, qui d'ailleurs complète très bien l'ouvrage qui sera présenté aujourd'hui. Et ce que nous souhaiterions faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir un dialogue avec différentes approches sur une civilisation réconciliée, fondée sur l'amour fraternel et sur la foi en Dieu, au moment où les conflits se multiplient, certains même au nom de la religion. Notre premier orateur est donc Don Patrick Delaubier, français, sociologue. Il a travaillé au Bureau international du travail et a longtemps été professeur de sociologie à l'Université de Genève, puis a commencé un parcours de théologie à l'Université de Fribourg, qui a abouti à son ordination par le pape Jean-Paul II en 2001, à l'âge de 66 ans. Il est l'auteur de nombreux ouvrages traitant de la sociologie et de la religion et continue à donner de nombreuses conférences. Cher Patrick, si j'ose, je te donne la parole. Merci d'être ici. Alors, je vais commencer par quelques remerciements. D'abord, Michel Beutet, qui s'est affairé et avec la compétence qu'on lui connaît, pour organiser cette réunion inattendue et sur un sujet qui ne laisse pas que des lumières. Je vais remercier aussi les autres
intervenants, et heureusement qu'ils sont là. Si j'étais tout seul, je me sentirais intimidé. Mais à côté de Jean Ziegler, nous avons pendant des années partagé un cours de sociologie. Les étudiants, quand ils voyaient arriver, regardaient tout de suite sur leur livre Aristote, et quand ils voyaient Jean, ils regardaient Marx. Alors, et au moment de l'examen, ils savaient sur quel personnage on devait insister. Mais alors, le miracle statistique, c'était que la moyenne de nos notes était à peu près la même. On ne parlait pas de la même chose, mais le résultat était là. Pour les étudiants, ce qui importait, c'était la note. Moi, j'avoue que je garde un très bon souvenir de ces cours donnés devant les étudiants à une époque, vous souvenez, où la contestation était devenue un mode de vie. Alors, depuis ce temps-là, j'ai fait, on l'a indiqué, je me suis intéressé à la théologie, je me suis intéressé notamment à une dimension de l'enseignement social chrétien qui n'est pas très pratiquée, qui n'est pas peut-être toujours suffisamment pratiquée. C'est l'aspect eschatologique. Pardonnez-moi d'employer des mots un petit peu grecs, un peu compliqués dès le départ. Je serai modéré dans cet usage de termes techniques. L'enseignement social chrétien, ce n'est pas simplement l'économie politique, c'est et surtout l'économie du salut. Et quelquefois, on est tenté d'oublier que nous sommes ici-bas des exilés et que nous ne sommes pas faits pour rester indéfiniment ici. Mais c'est ici que tout va se décider. Alors, le thème que je vais même traiter, je voudrais ne pas obscurcir ce que vous savez déjà, et plutôt apporter quelques lumières. On va travailler, en citant le philosophe Gabriel Marcel, il distinguait problème et mystère. On n'a pas un problème à résoudre ici. On a un mystère à évoquer, des mystères à évoquer, des croyances à dont nous devrons dire un mot. Et il se trouve que nous ne sommes pas tous de la même tradition, de la même connaissance, et donc c'est d'autant plus intéressant et remarquable. Et donc, je confie à votre indulgence peut-être certaines obscurités qui vont surgir dans ce dialogue. Alors, le sous-titre, vous l'avez vu, est « Espérance ou utopie ». Alors, moi je vais me réclamer de Paul VI qui est venu ici. Il y a eu même un incident assez intéressant. Paul VI était au BIT, il avait été pour une conférence, et puis la messe avait été prévue de l'autre côté du lac. Et il y avait un tel trafic qu'on a dû renoncer à l'arrivée en voiture. Alors on a frété un bateau, et le bateau où le pape a pris place est passé exactement à l'endroit où, dans la peinture fameuse de Konrad Wirz, que vous pouvez trouver au musée d'histoire, qui date du XVe siècle, il y a Saint-Pierre au milieu du lac, avec la pêche miraculeuse, et puis aussi un autre miracle, quand il est sur le point de se noyer. Il n'y avait aucune allusion d'ailleurs à ça pour la traversée. Et alors Paul VI est passé à l'endroit exact où le peintre avait mis Saint-Pierre au milieu du lac. Vous voyez, il y avait déjà un signe. Et alors, le pape, qui, vous le savez, est un écrivain, un orateur de première force, son style lyrique n'a pas de correspondant ni d'égal dans aucun pontife. Paul VI avait le don de se présenter.
quand il est arrivé à New York le 4 octobre 1965 devant toutes les nations, il a dit « Je suis Pierre ». Et après 20 siècles de marche, voilà que le successeur de Pierre rencontre l'humanité, la famille humaine, les nations. Et alors dans un discours magnifique, eschatologique, Paul VI a résumé toute l'histoire à la fois de l'Église et de l'humanité. Alors moi j'en suis pas là, et d'ailleurs ça durerait plus longtemps que la séance est prévue. Je vais donc progressivement essayer d'expliquer ce qu'il y a d'original dans l'approche de Paul VI, qui est associée à l'idée d'une civilisation de l'amour, et qui a même prophétisé cette civilisation de l'amour. Alors moi je me propose, dans le temps qui sera, que je vais essayer de ne pas prolonger trop, vous dire ce qu'il en fait. Commençons par dire que l'enseignement social chrétien ne date pas de Léon XIII, il date des débuts de l'Église. Tout a commencé avec la révolution chrétienne qui a fait exploser l'Empire romain. À ce moment-là, il a fallu, le sang a dû couler, mais ça a été le sang des martyrs, pas le sang d'adversaires. Hein, il faut se souvenir de ça. La révolution chrétienne s'est faite avec le sang des révolutionnaires qui ont donné leur vie. Et à partir de cette révolution chrétienne dans l'Empire romain, un enseignement social chrétien s'est déployé d'un siècle à l'autre. Et vous avez plusieurs phases. Il y a eu d'abord les pères de l'Église qui ont préconisé le partage. Ensuite, il y a eu la scolastique scientifique, avec saint Thomas notamment, et enfin les papes qui ont fait une synthèse entre les sciences humaines et les sciences et la tradition théologique. Donc, et cet enseignement social chrétien visait à quoi au fond ? Elle visait à donner l'espérance, elle visait à ce que les chrétiens et les autres voient dans une possibilité de faire face au mal. L'histoire, c'est Maritain qui le dit et qui résume beaucoup de choses, l'histoire est le progrès parallèle du bien et du mal. Le mal devient de plus en plus radical, on le voit sous nos yeux aujourd'hui d'ailleurs. Le bien aussi augmente. La lumière et les ténèbres sont là, se font face. Et ce sera comme ça jusqu'au bout. On n'a pas encore connu les fonds du mal, mais non plus ce que le bien peut proposer. Alors, qu'est-ce que l'Église offrait ? C'est une raison d'espérer, une raison d'organiser la société pour qu'elle soit comme imprégnée, qu'elle soit par la lumière de l'Évangile. Et l'Église est réaliste dans son tentative de donner l'espoir. Elle écarte, puisque en sous-titre de notre conférence, on a espérance et utopie. L'utopie a été écartée par Paul VI notamment. Je vous lis ce petit texte qui est très fin. Comment échapper au matérialisme, à l'égoïsme ou à la contrainte ? D'où une contestation qui surgit un peu partout, signe d'un malaise profond, que l'on assiste à la renaissance de ce qui est convenu d'appeler les utopies, qui prétendent mieux que les idéologies résoudre les problèmes politiques des sociétés modernes. Il serait dangereux de méconnaître l'appel à l'utopie est souvent un prétexte commode qui veut fuir les tâches concrètes pour se réfugier dans un monde imaginaire. Vivre dans un futur hypothétique est un alibi facile pour repousser des responsabilités immédiates. Mais il faut bien reconnaître que cette forme critique de la société provoque souvent l'imagination prospective, à la fois pour percevoir le présent, le possible ignoré qui s'y trouve inscrit, et pour orienter vers un avenir neuf. Elle peut aussi rencontrer l'appel chrétien. Donc, Paul VI, au nom du réalisme chrétien,
explique que le projet de l'Église, ce n'est pas utopique. Utopia, par définition, ça n'a pas d'existence. Ça a simplement un projet. Et l'Église va beaucoup plus loin qu'une seule idée. Et Paul VI continuera en invoquant l'Esprit du Seigneur, le dynamisme de la foi chrétienne qui triomphe des calculs étroits de l'égoïsme. Donc le pape Paul VI se déclare son espérance qui est chrétienne. Tout dépend du regard qu'on porte sur cette perspective. Alors, vous avez soit le mythe, soit le mystère. Le mythe et le mystère sont obscurs. Le mythe est obscur par manque de lumière. Et le mystère est obscur par excès de clarté. Vous voyez, c'est des choses opposées. Ils sont tous les deux obscurs, mais pour des raisons opposées. Il ne faut pas, évidemment, confondre l'obscurité du mythe et celle du mystère, puisque l'un l'est par excès de lumière et l'autre par manque de clarté. Alors, Paul VI va donc faire une prophétie, donc qui est distincte de ce que je viens d'évoquer avec le déroulement de la pensée sociale chrétienne. Et c'est ça qui va être ma tâche, de vous montrer, d'essayer de sans obscurcir encore une fois ce que vous avez déjà acquis, ce que Paul VI a voulu dire. D'abord, il faut faire une distinction. Je vous ai dit que je serais économe de mots grecs, et je vais en employer deux, hein, parce qu'en français, le mot « temps » n'a qu'un terme, « temps ». En grec, il y en a deux. Et c'est très intéressant. Il y a Chronos, qui est le temps de l'historien. L'historien, il est au bas de la vallée, il compte les chameaux de la caravane, on lui demande de ne pas se tromper, c'est tout ce qu'il peut prévoir. Au contraire, avec le Kairos, c'est l'autre nom du temps, c'est le temps du prophète, qui est sur la montagne, qui voit toute la caravane d'un seul regard, mais qui ne sait pas comment la fixer chronologiquement. Alors, donc, Isaïe annonce la naissance du Messie 8 siècles avant Noël, mais on a l'impression en le lisant que c'est pour demain matin. Donc, voilà, donc ils ne peuvent pas fixer chronologiquement. Alors, la civilisation de l'amour, telle que la pensée Paul VI, relève du Kairos. C'est un prophète. Et à l'intérieur de l'histoire du monde, il annonce un moment privilégié. Alors, je ne peux pas résister à vous citer la partie essentielle de ce message, qui date de l'homélie de Noël 1975, où rien ne va plus, ni dans le monde, ni dans l'Église, et au milieu de la zizanie générale, on voit se lever ce prophète qui ne sera pas écouté, mais qui parlera et qui va dire ceci. L'Église, en s'épanouissant en vertu et en œuvres qui sont à juste titre qualifiées de chrétiennes, explosera. Notez, on est au futur là, hein, c'est pas pourra exploser, explosera avec une nouvelle fécondité dans un bonheur triomphant, dans une vie sociale régénératrice. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas l'avarice qui seront sa dialectique, mais l'amour, l'amour générateur, l'amour de l'homme pour son prochain. Ce n'est pas quelque intérêt provisoire et équivoque qui s'inspirera ni d'une condescendance imprégnée d'amertume, et d'ailleurs mal tolérée, mais l'amour même que nous te portons à toi, ô Christ, découvert dans la souffrance et dans le besoin de notre semblable, quelle que soit la cible, quel qu'il soit. Et il termine, la civilisation de l'amour l'emportera sur la fièvre des luttes sociales implacables et donnera au monde la transfiguration tant attendue de l'humanité. Et il se situera dans la perspective chrétienne. Alors, vous noterez le futur.
Et Jean-Paul II a repris, et Benoît XVI également, ils ont repris cette expression de Sylvia Turnbull, qui maintenant devient la finalité. Par exemple, dans l'ouvrage qui rassemble tout l'enseignement social chrétien, on a terminé par un chapitre sur la civilisation de l'amour. Aujourd'hui, constamment, quand on parle de l'avenir de la société, on évoque cette possibilité face à la civilisation de la mort, cette civilisation de l'amour. Bon. Alors, cette prophétie de Paul VI, on pourrait se demander d'où ça vient, d'où il la trouve. On savait que l'enseignement social chrétien est porteur de l'amour, mais pour cette annonce si précise que je viens de vous dire, et alors saint Augustin, qui distinguait deux cités, la cité de Dieu et la cité du diable, saint Thomas d'Aquin, qui distinguait trois cités, la cité de Dieu, la cité du diable, et puis la cité humaine, qui est l'objet d'une rivalité entre les deux autres cités, mais aucun des deux ne parle à l'intérieur de l'histoire d'une réalisation de cet idéal. Seul peut-être saint Bonaventure, vous savez que le pape Benoît XVI a fait sa thèse sur saint Bonaventure, a lui une intuition sur ce qui pourrait une paix possible à l'intérieur de l'histoire. Mais la source principale, bien que le cardinal Journet, qui va être lui aussi bientôt béatifié, va nous donner la clé de cette originalité que Paul VI évoque. Alors, malheureusement, Journet, qui a beaucoup écrit, a eu cette intuition, et je vais vous lire ce petit texte, mais il n'a pas développé. Bon, il y avait peut-être autre chose à faire à ce moment-là, mais le fait est, c'est que on doit s'en tenir à ce petit texte. Voilà ce qu'il dit. « Et si l'on songe à la mystérieuse loi de correspondance suivant laquelle tout ce qui a commencé par le chef doit se continuer par les membres, tout ce qui s'est fait dans le Christ doit se refaire dans l'Église. Ne convient-il pas d'en pousser l'application jusqu'à dire que les phases de la vie du Christ personnel décrivent par avance les phases de la vie du Christ total, répandue dans l'espace et le temps ? Mais on peut croire que de tout temps qui sépare la première et la deuxième venue du Christ est comme divisé en périodes dont chacune a pour tâche de revivre plus fidèlement un des moments de la vie de Jésus, en sorte que le progrès temporel de son corps particulier trouve une mystérieuse réplique dans le progrès temporel de son corps total qui est l'Église, qui contient toute l'humanité, et dispersée et connue ou inconnu, connu en tout cas de Dieu seul. Alors là, on a une intuition très intéressante. Je vous dis, le cardinal ne l'a pas développé. J'avoue que, me faisant disciple de ce grand théologien, pendant 30 ans, j'ai essayé de creuser l'application de cette indication. Alors, je ne peux pas passer maintenant en revue tous les moments que l'Évangile nous rappelle de la vie du Christ pour voir la correspondance avec l'histoire de l'Église. Je vais en retenir un, mais un qui est décisif et qui pourra porter le nom de civilisation de l'amour. C'est les quatre évangiles, ce qui est extrêmement rare que les quatre évangiles traitent parallèlement un sujet, parlent de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce qui est très mystérieux. Qu'est-ce qui va se passer dans l'entrée de Jésus à Jérusalem? On va crier « Hosanna au fils de David !» C'est l'humanité du Christ. Et on continuera en disant « Hosanna au plus haut des cieux !» C'est la divinité du Christ. Donc pendant un moment dans l'histoire que les évangiles nous relatent,
le peuple qui a été préparé, pas tout le monde, puisque les pharisiens ont protesté, et le Christ dira, si tout le monde se tait, les pierres elles-mêmes crieraient. Donc c'est insister sur l'important. Donc, pendant un bref moment, qui sera suivi, vous savez, de la passion, de la mort du Christ, donc c'est pas un nouvel Éden à la manière du New Age, hein. C'est une période limitée à l'intérieur de l'histoire où le Christ manifeste sa messianité, manifeste sa mission, sa nature humaine et divine. Alors, dans l'histoire de l'Église, où pourrait se situer ce moment de la vie du Christ? Eh bien, ce serait ce moment que Paul VI a annoncé. C'est à ce moment-là que l'humanité connaîtrait une sorte de floraison de ce que l'enseignement social chrétien depuis 2000 ans essaie de présenter, d'appliquer, d'adapter aux circonstances, aux difficultés que le mal provoque. Et il y aurait un moment de paix. Un moment de paix, beaucoup de mystiques, et la Vierge Marie elle-même à Fatima a parlé d'un moment de paix à l'intérieur de l'histoire. Alors, pour ce prophète qui est Paul VI, eh bien, cette annonce d'une civilisation de l'amour au sens prophétique et particulier que je suis en train de vous évoquer, c'est-à-dire comme correspondant à l'analogie de l'histoire de l'Église et de l'humanité avec le déroulement de la vie du Christ. Donc il y a là un recours prophétique, il y a là un recours où c'est la révélation qui nous guide. La raison ne suffit pas. Et il faut reprendre l'expression de Gabriel Marcel, c'est pas simplement un problème que la raison peut résoudre. Non, c'est un mystère auquel on pourrait adhérer ou pas adhérer. Donc Paul VI, maintenant béatifié, a annoncé qu'il y aurait, alors que sous nos yeux, la civilisation de l'amour, de la mort, est en train de prendre une intensité inconnue et une radicalité nouvelle. Alors il a voulu, comme un prophète qui était envoyé dans l'ancienne alliance, pour encourager le peuple accablé par la civilisation de la mort. Donc la prophétie de Paul VI, c'est une prophétie, j'allais dire, d'attente, où le prophète veut encourager, si on veut que le bien soit en parallèle vraiment avec le mal, d'un point de vue purement ecclésial, je signale qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'Église quatre papes tels que nous les voyons depuis une génération, qui sont tous les uns après les autres, soit béatifiés, soit canonisés, ça s'est jamais vu. Donc ça traduit une sorte d'accroissement du bien face au mal de plus en plus radical. Alors, voilà donc cette prophétie de Paul VI. Alors, on peut indiquer un autre auteur que Paul VI connaissait très bien, Jacques Maritain. Jacques Maritain, vous savez, avait proposé de distinguer la chrétienté sacrale, où l'Église dirigeait tout, excluait ce qui n'appartenait pas à son sein, et puis la chrétienté profane que Maritain annonçait pour l'avenir, et Jean-Paul II a traduit Maritain, donc il a connu cette première forme de distinction entre la chrétienté profane, sacrale, et la chrétienté profane. Mais nous sommes dans les années 30 quand cette parallèle a été fait par Maritain. La suite nous montre que le mal ne s'est pas laissé dépasser par d'autres formes de bien, et que nous sommes, nous, au cœur d'une société, et puisqu'on a
évoqué tout à l'heure Dieu, qui est caractérisé comme jamais dans l'histoire, on ne l'a vu, par un athéisme généralisé, un athéisme de base, qui finit par prendre une dimension planétaire. Il me reste 3 minutes, donc il faut que j'utilise au mieux possible, et je me bande donc à conclure en disant donc l'apport spécifique de Paul VI, de ce prophète Kairos, ça a été de dire à l'intérieur de l'histoire, en raison d'une théologie de l'histoire qui met un parallèle entre la vie de l'Église et la vie du monde, eh bien, nous devons préparer cette civilisation de l'amour qui est l'application de cette longue genèse de l'enseignement social chrétien. Je vous remercie de votre patience. Et vous avez vu sur quel registre je me basais, la foi, la tradition chrétienne, et le Christ surtout, est au cœur de l'intuition de ce pape talentueux et prophète. Cette présentation très claire et convaincue, et en effet, nous avons là d'autres intervenants qui vont certainement donner un autre éclairage. Et maintenant, ce serait le professeur Nicolas Michel, qui est professeur ordinaire ici à Genève, au département du droit international public à la faculté de droit de l'Université de Genève, aussi d'ailleurs à l'Institut des hautes études internationales, et qui a été jurisconsulte du département fédéral des affaires étrangères et ensuite conseil juridique des Nations Unies de 2004 à 2008. Et alors, Nicolas, vraiment un tout grand merci pour être venu il y a une heure de New York pour nous partager quelques réflexions sur la civilisation de l'amour et le droit international. Merci. Merci beaucoup, merci mon cher Michel. Je me permets de continuer avec le tutoiement, parce que tu l'as utilisé, c'est avec joie, que j'ai accepté ton invitation. Tu le sais, en raison d'une amitié partagée, mais partagée avec Don Patrick, une amitié d'une trentaine d'années certainement, mon cher Patrick, et beaucoup d'admiration, beaucoup d'affection aussi, et donc je suis heureux de cette occasion de se retrouver. J'étais ravi de pouvoir voir aussi des noms prestigieux des autres participants à ce panel, c'est une joie autant qu'un honneur que d'être ici. Lorsque j'ai réfléchi aux aspects que je pourrais évoquer, j'ai bien évidemment eu à l'esprit le fait que je m'exprime à titre tout à fait personnel. Tu as indiqué un certain nombre de fonctions, mais vous verrez que mes réflexions sont évidemment inspirées, elles aussi, par une culture à laquelle j'appartiens et dont je ne fais pas mystère. Et donc, ce qui m'a paru intéressant, c'est, puisqu'il est question de Paul VI et d'une vision par rapport à la paix, à la communauté internationale, à la personne humaine, je voudrais faire allusion à des textes de Paul VI qui ont très précisément, de manière directe ou indirecte, aux Nations Unies. J'évoquerai donc d'abord un grand texte que Don Patrick a évoqué tout à l'heure, qui est la fameuse déclaration de Paul VI lors de sa visite à l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1965. Je dirai ensuite un petit mot de la grande encyclique de Paul VI, Populorum Progressio. Et puis finalement, puisqu'il faut quand même que je dise quelque chose du droit, je ferai une petite réflexion sur le point de savoir s'il y a encore une raison d'être pour le droit dans une civilisation de l'amour. Pour ce qui est de la déclaration, oui, la réponse sera oui, mais pas trop surpris, mais avantage de voir comment. Cette déclaration de Paul VI, vous pouvez la trouver très facilement sur Internet en allant voir Paul VI, Assemblée Générale des Nations Unies, 4 octobre 1965. Elle est vraiment fameuse et elle vaut la peine d'être relue. Il y a une source d'inspiration qui est vraiment forte.
et qui est admirable. N'oubliez pas que c'est l'époque du Concile, n'oubliez pas que c'est l'époque où la perception de l'Église ou de cette Église auprès de nombreuses personnes n'est pas tout à fait celle que finalement le Concile a fait passer. Et voilà Paul VI qui arrive à l'ONU et qui dit, je vais vous en lire quelques extraits, ils sont tellement beaux, ils parlent mieux que ce que je peux dire, donc sur quelques points je ne vais même pas résumer, je vais vous lire quelques extraits et les mettre en situation. Très rapidement, au début de ça, donc vous voyez, n'est-ce pas, l'Assemblée Générale, la grande salle de l'Assemblée Générale à New York, hein, voilà, avec réunis à très haut niveau. De fait, dit-il, nous n'avons rien à demander, aucune question à soulever, désir à formuler, une permission à solliciter, celle de pouvoir vous servir dans ce qui est de notre compétence, avec désintéressement, humilité et amour. Ça va être le ton. Nous sommes porteurs d'un message pour toute l'humanité. Que va-t-il dire de l'ONU? C'est la première fois qu'un pape va à l'ONU, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Siège ne s'était pas toujours prononcé de façon très explicite sur, bien sûr, sur la fraternité internationale, sur la communauté humaine, etc. Mais que va-t-il dire de l'ONU? Pour celles et ceux qui prennent des notes, je donne la référence au paragraphe 24. Notre message veut être tout d'abord une ratification morale et solennelle de cette haute institution. Je devine déjà quelques-unes d'entre vous me dire, mais est-ce que vraiment ce que fait l'ONU correspond aussi bien à ce que dit l'Église que d'une manière globale, le pape offre une ratification de l'Empire. Ça ne va pas être tout à fait simple, mais c'est tout à fait l'expression de ce pape. Il ne va pas commencer par dire, vous faites ceci, vous faites cela, je condamne ça, si je désapprouve. C'est vraiment l'esprit de cette constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, c'est le désir de partager les joies et les espérances des contemporains, et bien sûr en cherchant à proposer un chemin, bien sûr. Mais d'où tient-il sa légitimité pour le dire? Il est là un peu du point de vue du droit international en tant que le chef du Saint-Siège, de la cité du Vatican, avec une dimension de chef d'État, si vous voulez. Mais est-ce que c'est à ce titre vraiment qu'il dit tirer sa légitimité? Non. Ce message vient de notre expérience historique. C'est comme expert en humanité que nous apportons à cette organisation le suffrage de nos derniers prédécesseurs, etc., etc. Convaincu comme nous le sommes que cette organisation représente le chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale. Chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale. Bon, on est en 65. On est porté vraiment par une forte espérance. Bien sûr, on a déjà vécu quelques limitations quant à ce que l'ONU peut faire. On est en pleine guerre froide. Hein. Le Conseil de sécurité ne fonctionne pas. Donc, beaucoup de choses ne fonctionnent pas, mais en même temps, on n'a pas encore connu certains des échecs flagrants des Nations Unies. Nous faisons nôtre aussi la voix des pauvres, des déshérités, des malheureux, de ceux qui aspirent à la justice, à la dignité de vivre, à la liberté, au bien-être et au progrès. Je continue. Évidemment, il est conscient du fait que, et ici à Genève, combien le sommes-nous, du fait qu'une organisation de ce genre ne peut pas être considérée comme acquise dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, on entend trop la Société des Nations ici à Genève. Et il dit, l'édifice que vous avez construit, c'est au chiffre 26, ne doit plus jamais tomber en ruine. Il doit être perfectionné et adapté aux exigences que l'histoire du monde présentera. Vous marquez une étape dans le développement de l'humanité. Une étape. Donc on a parlé de chemin, on parle d'étape. Il ne s'agit pas d'un état achevé de la construction d'une société politique mondiale organisée de manière adéquate. Désormais impossible de reculer, il faut avancer. Autrement dit, conscient des faiblesses, conscient des insuffisances, conscient du fait que c'est un chemin, mais il faut aller de l'avant. Quelles conséquences tire-t-on des insuffisances? Est-ce que c'est qu'il faut arrêter ou laisser détruire, ou est-ce qu'il faut aller de l'avant et améliorer?
Vous sanctionnez le grand principe que les rapports entre les peuples doivent être réglés par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, ni par la violence, ni par la guerre, non plus que par la peur et par la tromperie. C'est du quotidien, tout ça, malheureusement. Ensuite, il aura cette fameuse phrase qui est tellement connue que je n'ai pas besoin de la citer plus longuement dans un contexte, « Jamais plus la guerre ». On entend résonner, malheureusement, cette expression surgit de l'espérance, mais de la honte aussi, à l'occasion de crises crise répétées. Un peu plus loin, au chiffre 36, après avoir dit « Vous êtes les architectes de la paix, les constructeurs de la paix », vous n'êtes encore qu'au début de vos peines. Bien. Et je terminerai avec une citation sur la dimension profondément humaine ou anthropologique de ce qu'il dit, de son message. Nous devons nous habituer à penser d'une manière nouvelle l'homme. D'une manière nouvelle aussi, la vie en commun des hommes. D'une manière nouvelle, enfin, les chemins de l'histoire et les destins du monde. Il ne s'agit pas exclusivement d'une communauté faite d'États souverains, mais il y a une communauté humaine avant tout faite d'hommes. Et beaucoup plus tard, Benoît XVI dira que la question sociale est devenue radicalement une question anthropologique. Qui est la personne humaine. C'était le premier texte. Le temps passe vite, mais j'essaie de ne pas être trop long. Le deuxième texte que je voulais mentionner, c'est Populorum Progressio. On est en 1967, en fait, et c'est une de ces grandes encycliques sociales dont Patrick a fait allusion à cela, mais on est complètement hors du rythme des anniversaires d'habitude, à partir de 1891, etc. C'est vraiment un homme qui est porté par ce qui advient dans le monde avec la décolonisation, avec le surgissement d'idées, avec de nombreuses et profondes injustices. Et Paul VI va dire dans ce texte qui date du 26 mars 1967, Populorum Progressio, le développement des peuples, du 26 mars 1967, la question sociale est aujourd'hui mondiale. Au moment où ce corps d'enseignement qui est parti de 1891 s'est mis à développer un enseignement, une réflexion structurée, organisée, la question sociale était avant tout la question ouvrière, en raison de circonstances historiques. Jean XXIII, déjà avec Pacem in Terris, la paix sur la terre, en 1963, avait ouvert la dimension et l'approche. C'est pas surprenant, c'était après la construction du mur de Berlin, après la grande crise des missiles de Cuba, où il y avait toute une atmosphère qui exigeait une vision pour la communauté internationale. Et Paul VI va approfondir la réflexion en disant, et c'est au chiffre 3 de Populorum Progressio, chacun doit prendre conscience aujourd'hui du fait, le fait majeur est que la question sociale est devenue mondiale. Et ce texte, que je ne peux traiter que très rapidement, évoque un certain nombre d'aspects sur lesquels on en est encore à balbutier aujourd'hui. Il suffit que je vous lise le titre du paragraphe 78, « Vers une autorité mondiale efficace ». En fait, c'est en écho, bien sûr, à un passage de Jean XXIII, déjà, Pacem in Terris. Mais croyez-moi, aujourd'hui, dans beaucoup de milieux, lorsqu'on utilise l'expression d'autorité ou d'autorité mondiale, on est confronté à un débat extrêmement fort. Bon, aussi parce qu'il y a de très mauvaises compréhensions. Il ne s'agit pas de répliquer au niveau de la communauté internationale un schéma à la Montesquieu avec simplement un gouvernement mondial, mais il s'agit d'un ensemble d'organismes dotés d'une autorité compétente pour que soit pris en compte au niveau de la communauté internationale le bien commun universel dans le respect, bien sûr, du principe de subsidiarité, tout ce qu'on oublie lorsqu'on se heurte à l'expression autorité mondiale. Mais
les questions, les interrogations ne doivent pas nous faire oublier cet enjeu. Paul VI disait tout à l'heure, vous n'êtes encore qu'au début de vos peines. Eh oui. Bien, je vais arrêter là parce que le temps passe trop vite. Je dirais juste un petit mot en conclusion sur la question du droit. Tout dépend de la manière dont on voit le droit. Si on conçoit le droit comme un ensemble de prescriptions techniques qui relèvent d'une discipline qui appartient à des spécialistes et dont le mandat principal est de faire en sorte que ceux qui ont pris les décisions les formulent de manière adéquate pour éviter d'avoir des ennuis, alors évidemment, cette manière de concevoir le droit n'a pas sa place dans une civilisation de l'amour. Mais ça n'est pas la manière dont les rédacteurs de la Charte des Nations Unies ont conçu le rôle du droit. Ça vaut la peine de toujours relire la Charte. On redécouvre des pépites. Les auteurs, ne l'oubliez pas, étaient des gens qui se disaient « Qu'est-ce qui s'est passé de si fondamentalement faux pour qu'on en arrive à la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale ?» Et on trouve la réponse, en fait, dans les tout débuts du préambule de la Charte des Nations Unies. Le premier paragraphe dit que nous, peuple des Nations Unies, nous sommes résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui, en l'espace d'une vie humaine, a infligé, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Ensuite, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Pas juste les droits de l'homme, la dignité et la valeur de la personne humaine. Et ensuite, troisième paragraphe, déterminé à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de faux? Premier point, la déshumanisation de groupes de manière tragique. C'est quand on commence à déshumaniser des personnes et des groupes entiers que commencent les catastrophes. Et ensuite, c'est quand on commence à ne pas respecter le droit ou à avoir une notion du droit qui est une notion purement positiviste du droit. C'est pas par hasard que ce paragraphe de la Charte dit « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect du droit ». La justice et le respect du droit, la conjonction des deux. Et donc, dans une civilisation de l'amour, il y a certainement la nécessité d'un droit, de règles de droit, en raison tout simplement de la nature de la personne humaine, qui est sociale par excellence, et donc qui est un être de relation. Chaque fois qu'il y a une relation, il y a forcément du droit. Mais il est vrai que l'on peut avoir du droit une perception fondée sur une éthique du devoir, c'est certainement déjà bien, mais dans l'optique que nous a partagé Don Patrick tout à l'heure, j'espère qu'il pourra se rallier à ce que je dis, en réalité, il s'agit de bien plus que d'une éthique du devoir, il s'agit d'une éthique du bonheur. Une éthique du bonheur qui, elle, offre un chemin d'amour, au-delà de avec la justice, mais au-delà de la justice. Merci beaucoup. De nous avoir partagé ton expérience du droit international et des Nations Unies et de nous avoir donné cette conclusion profonde à la veille du moment où nous allons célébrer les 70 ans, le 70e anniversaire de la Charte des Nations Unies. Alors maintenant, c'est au professeur Jean Tiller, et lui aussi je voudrais beaucoup le remercier d'être avec nous parce que je sais qu'il est très occupé et notamment par la présentation de son dernier livre Retourner les fusils. Mais il est avec nous, il était professeur de sociologie à l'Université de Genève, comme Patrick Delobie l'a dit. Il a écrit de nombreux ouvrages qui ont marqué l'opinion et il est maintenant membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et je me réjouis d'entendre son point de vue. Jean, merci d'être avec nous et de nous partager tes réflexions. D'abord, je voulais dire ma reconnaissance, ma gratitude est d'avoir invité à toi, cher Patrick, de m'avoir, dans ce moment d'intention, envoyé ce magnifique livre que j'ai lu. Je ne sais pas. Et oui, vous ne l'avez pas encore.
pas lu, donc j'ai un peu d'avantage, un peu d'avance. Monseigneur, je suis très heureux que vous soyez là, puisque vous êtes sociologue, vous aussi. Le nonce apostolique auprès de l'Institut de la Genève est un sociologue. Pas mal, hein? Bon, vous avez entendu, ce livre est magnifique. Je suis pas un grand théologien, même pas un petit. Même le thème de chrétien me semble tellement énorme que mes forces, je suis en chemin, mais bon, je ne peux pas le revendiquer. C'est un livre qui prend sa place dans l'œuvre de Patrick, qui est riche dans le monde de Dieu, dans l'anthropologie chrétienne, tandis que les derniers. Il y a des traces de 1905, le grand livre sur la grève, Russie, dans la deuxième partie. Et en France, c'est un livre magnifique. Alors, un sociologue inspiré par le Saint-Esprit, c'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Pourquoi j'aime ce livre? Je n'ai pas fait de l'exégèse, c'est pas un mot. Quelques remarques, simplement, pourquoi j'aime ce livre? Parce que, d'abord, il commence par, d'abord, évidemment, à cause des textes de l'homélie de Noël de 1975, un grand texte de Paul VI, magnifique, bien sûr, mais le livre commence par un discours du pape François, de juin 2013, c'est tout récent, où le pape François prend à son compte totalement, mais totalement, la civilisation de l'amour, c'est-à-dire l'héritage spirituel, eschatologique, prophétique de Paul VI. C'est à l'occasion d'une audience du diocèse de Brescia, donc ce n'est pas une grande fête mondialement transmise, c'est le moment où les gens de Brescia viennent, sont reçus par le pape. Et j'insiste là-dessus. Le pape François ne se contente pas de faire quelques remarques aimables sur l'héritage, la civilisation de l'amour. Il fait tout un discours, un long discours détaillé, que tu as l'intelligence, pour notre bonheur, de reproduire. Et ce livre est donc un livre d'actualité totale. Ce n'est pas l'exégèse d'un texte, un pape en voie de canonisation, etc., etc. Passé dont la nuit nous parvient, c'est un texte d'une totale actualité, normativement parlant. Le pape actuel dit le chemin, c'est celui-là, de la civilisation de l'amour. Et encore une fois, le texte est assez long, très détaillé, et ça me plaît vraiment que ce pape-là, bien au-delà de l'hommage, je le répète, prend à son compte, l'enseignement, la prophétie de Paul VI. Alors, pour deuxième plaisir énorme, pourquoi j'aime ce livre, il est beaucoup question de révolution. Beaucoup. Le mot revient souvent. Alors, il faut savoir que Patrick est un érudit. On était tous jaloux, il nous a toujours été écrasé par son érudition au département de sociologie. Et une première thématique, la révolution, par exemple, c'est comment le christianisme a, par la révolution pendant 300 ans, miné de l'intérieur l'empire romain jusqu'à son effondrement. Et là, cette formidable interprétation de la révolution, c'est les martyrs. C'est la seule révolution au monde où c'est les victimes qui ont fait effondrer la puissance de l'adversaire. Et beaucoup de choses que moi je ne savais pas, tu notes que 55 empereurs se sont succédés entre le mort du Christ et Constantin. 55 empereurs, qui avaient un pouvoir totalitaire la plupart. Et les 55, pratiquement tous, ont massacré les chrétiens. C'est pas rigolo ça. Non, je veux dire, c'est extraordinaire si on y pense. Ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de martyrs, témoins de la foi, du Christ, de la civilisation de l'amour, et qui a finalement fait s'effondrer la structure totalitaire probablement la plus puissante que le monde ait connue, plus puissante que l'Empire américain, l'Empire soviétique, etc., etc.,
Voilà. Alors, pourquoi cette révolution est tellement nécessaire aujourd'hui? Je dis deux mots. Je ne peux pas aller plus loin, parce qu'il faut vraiment lire le livre. Il est formidablement bien écrit. Enfin, vous connaissez, ceux qui connaissent l'œuvre de Patrick, retrouve la finesse, l'ironie. Non, non, il faut le dire ce qu'il y a. Enfin, c'est le bon Dieu qui t'a donné cette œuvre, c'est pas moi. Non, c'est vrai, c'est fortement le dire. Quel est aujourd'hui l'ordre du monde, l'ordre cannibale du monde? Toutes les 5 secondes, c'est des chiffres de l'ONU, toutes les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. 57 000 personnes meurent de faim tous les jours. Et presque 1 milliard de têtes humaines sont gravement et en permanence sous-alimentées. L'angoisse du lendemain, la destruction des forces immunitaires, etc., etc. On peut prendre un autre exemple. Vous savez que l'humanité perd à peu près 1% de sa substance tous les ans. Nous sommes 7,8 milliards sur Terre maintenant. Un peu plus de 70 millions de personnes quittent cette planète tous les ans par différentes formes de mortalité. L'année dernière, 18,9 millions de personnes sont mortes de faim ou de ses suites immédiates. Autrement dit, la faim et toutes les maladies des suites immédiates liées à la faim sont encore aujourd'hui de très loin la cause de mortalité la plus puissante sur cette planète. Et le même World Food Report, année après année, de la FAO, c'est des bureaucrates, c'est ennuyeux, il faut vraiment s'accrocher pour lire, etc., mais ça vaut la peine finalement, qui donne le chiffre des victimes, qui est disputé par personne, dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuel de son développement productif, pourrait nourrir sans problème, normalement, 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'humanité, 2200 calories individus adultes par jour. Ce qui veut dire que pour la première fois, c'était différent par le passé, mais pour la première fois dans l'histoire des hommes, au début de ce millénaire, il n'y a plus aucune fatalité, aucun manque objectif. Le problème est accès à la nourriture, monétaire, etc., etc., accès à la nourriture et pas production insuffisante de la nourriture. Autrement dit, un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné. Alors, la révolution dont Patrick se fait le porte-parole à travers ces formidables textes des papes, ici Paul VI et François, est plus nécessaire que jamais. Est évidemment plus nécessaire que jamais. Relire Saint Matthieu, je termine tout de suite, je me souviens d'une prédication de Monseigneur à Preuilly au moment de la mort de Chavez, du président du Venezuela. Ils ont eu l'intelligence, nos amis cubains, vénézuéliens, etc., de demander à Monseigneur de faire l'homélie, avant de faire une messe, en souvenir de Chavez, qui était un chrétien, et lui ont donné la parole. Ce qui était assez risqué, quand même. L'annonce apostolique, régulier, marxiste, cubain, vénézuélien, tout ça, était là. Et il a pris ce formidable texte de l'évangile de Saint Matthieu, évidemment, de l'identité ou le Christi. Pierre dit, mais qu'est-ce que c'est d'être dans le royaume de Dieu avec toi, etc., etc. Et le Christ dit, mais j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais affamé, vous m'avez donné à manger, j'étais prisonnier, vous m'avez visité, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et Pierre, qui est un prolo, hein, c'est pas ni un sociologue ni un théologien, un prolo, hein, c'est un type très bien, mais enfin, ils ont vu qu'il comprend rien. Comprends bien. Et puis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne t'ai jamais donné à manger parce que tu mourais de faim, etc. Le Christ dit, si vous l'avez fait à l'un des plus humbles de mes frères, vous l'avez fait à moi. Ben, ça, c'est le texte révolutionnaire le plus formidable que l'humanité ait connu. Formidable. Et si l'Église revenait
l'Église se souvenait de cette vocation-là, qui est une vocation révolutionnaire, de ce qu'elle doit faire sur terre, eh bien, cette horde cannibale des oligarchies du capital financier globalisé, 500, c'est pas mondial, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé l'année dernière 52,8% du produit mondial brut, échappent à tout contrôle social, fonctionnent selon, ce qui est tout à fait normal, selon la maximisation du profit, si on parle à propos. Je termine parce que Patrick a dit une chose tout à fait formidable ce matin, le mal qui grandit, c'est présent, hein, mais il a dit plus clairement ce matin, le mal qui prend des proportions mais tout à fait effroyables, que même le préambule de 45 n'a pas pu anticiper. Vous le connaissez bien, Akram, j'ai déjeuné avec l'ancien du Pakistan avant-hier, qui m'a raconté une chose, qui est un homme de foi, musulman, mais homme de foi. Et il me dit, notre grand problème au Pakistan, c'est la polio qui ravage les gosses. Alors, ils ont fait une campagne de polio avec l'OMS, les talibans tuent les agents du ministère de la Santé qui veulent vacciner, les talibans les abattent, les assassinent. Mais maintenant, il vient de découvrir une chose terrible, c'est que même les enfants qui sont vaccinés de la polio réattrapent la polio, sont mutilés pour la vie, paralysés. Pourquoi ? À cause de la sous-alimentation, à cause de l'effondrement de la force immunitaire, la réduction qui fait que même le vaccin n'a plus d'effet et l'épidémie ravage des millions et des millions de vies. Dans cette situation-là, paroxystique, Marx a parlé, mais enfin, il n'a pas eu autant de clarté que toi, la tâche de l'Église, la tâche révolutionnaire de l'Église, et je pense que le pape est tout à fait conscient, est énorme, urgente et immédiate. Pas utopique, immédiate, concrètement nécessaire. Je vous remercie. Déclaration qui manifeste bien l'exigence éthique de justice qui t'a toujours honoré. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à André Naftali Lévy, qui est né au Maroc, qui vit à Genève, spécialiste de la bibliothèque, prix de poésie en 96, auteur dramatique, passionné de l'origine et de l'histoire des mots et des religions. Cher André, à toi de nous donner une vision de la Bible hébraïque sur ce qui pourrait être cette civilisation-là. Merci. Je me suis parlé à l'intérieur déjà une demi-heure, je ne sais pas s'il me reste quelque chose à vous dire. Merci Michel. Merci de cet accueil. Merci bon Patrick. Merci ami que je découvre aujourd'hui, donc à cette heure. C'est vrai, la civilisation de l'amour, je l'ai lue entièrement. Il m'a été remis, je l'ai lu du début à la fin. Lorsque nous prenons simplement une chose, la civilisation de l'amour, civilisation en hébreu se dit tarbout. Lorsque nous prenons le mot, donc retenez juste le son, tarbout. Lorsque nous prenons le mot amour en hébreu biblique, se dit ahava. Lorsque nous prenons donc civilisation de l'amour, ces deux mots-là, lorsque nous prenons toutes ces lettres et que nous travaillons à l'intérieur de ces lettres, nous avons plus de 700 mots. Ces 700 mots, il faut savoir qu'avec 500, on sort de l'illettrisme et de l'analphabétisme. Et ça permet à chacun de s'exprimer correctement. Donc, ce n'est pas un petit livre. C'est un titre qui fait la foi, vraiment la foi, et qui exprime le fait qu'avec juste ce livre-là et ces lettres en hébreu, voire si on a le courage d'aller les chercher en araméen, donc vous avez absolument tous les mots qui vous permettent de vivre
décemment, de vous exprimer décemment, et ce qui fait que ça a une force extraordinaire. Si je prends maintenant derrière et devant le nom de sa sainteté Paul VI, si je garde juste 6, qui sont les 6 jours de la création, donc tout a été fait dans ces 6 jours de la création. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire lorsque nous commençons par Bereshit, donc ce mot qui veut dire l'ouverture, Dieu nous parle. Nous sommes dans la foi absolue. La foi absolue, c'est celle d'Abraham. Il s'appelle Abraham avant d'être Abraham. Vous l'avez dans la première ligne de l'évangile de Matthieu, la première. Donc, Toledot, Mieshia, Mieshie, donc Toledot, Jésus-Christ, c'est-à-dire sa généalogie, donc Ben David, Ben Abraham, fils de David par la royauté, et donc de la descendance d'Abraham. Donc ce n'est pas un anachronisme, c'est le fait qu'il y a d'abord une descendance royale, et ensuite il vient de cette descendance d'Abraham. Abraham a donné cette notion de monothéisme, au sens propre du terme, par une alliance, Bérit, c'est-à-dire une réelle alliance, où cette alliance se nomme Bérit, c'est-à-dire prévention, et donne une confiance absolue. C'est-à-dire, dès qu'on commence à dire « oui, mais je ne sais pas, je crois ou je ne crois pas, j'ai juste besoin d'avoir une preuve », on sort du Hesed, de cette générosité qu'a Abraham, on sort de la civilisation de l'amour. Donc, la civilisation de l'amour, c'est le pilier, c'est le palier, c'est l'échelle de Jacob, c'est le fait de commencer par cette civilisation de l'amour, derrière et absolument tout. Sans amour, il ne s'agit pas de reprendre la chanson, le principe même d'Abraham est très simple. Si j'aime ma mère, pourquoi je n'aimerais pas la vôtre? Quelle raison j'ai d'aimer ma mère? Quelle raison j'ai de ne pas aimer la vôtre? Et ça, je peux le dire de mon frère, je peux le dire de mon père, je peux le dire de tout le monde. Donc ça, c'est la notion de Bereshit. C'est ça la civilisation de l'amour. Il ne peut pas y en avoir une autre. Ce n'est pas possible. Le mot utopie en un mot, un seul mot. Utopie, c'est heureux. Heureux, bienheureux, mais bienheureux soi-même. Bienheureux soi-même en tout lieu. C'est-à-dire, on est là dans l'amour propre. La différence, l'amour propre, c'est soi-même. La paracha que nous lisons cette semaine, donc sur la Torah, c'est celle d'Abraham qui s'appelle Lech Lecha. Lech Lecha veut dire « va vers toi ». Si tu vas vers toi, tu vas nécessairement en chemin vers Dieu. Je rappelle avec une grande humilité aux non-croyants, avec une grande humilité, que le mot « Dieu » signifie « dies », « deus », mais que « dies » signifie « la lumière ». Donc il suffit de dire, plutôt que de dire « je ne crois pas en Dieu », juste « je ne crois pas en la lumière ». Peut-être que les choses vont se remettre en place à ce niveau-là. Et donc c'est juste la lumière. Donc sans lumière, effectivement, ce n'est pas possible. Donc cette civilisation de l'amour, et c'est vrai que dans le biais est gratifié à ce niveau-là, il a pris, avec cet âme, il a pris le pouls. Le pouls. Et le pouls, c'est ce battement du cœur. On prenait le pouls dans l'Antiquité à l'époque d'Abraham et d'Amourabi, c'est la même époque. Le soir, vers 5 heures, un peu à l'époque de cette période des vêpres, vous voyez. Donc le soir, vers 5 heures, en voyant le vent dans les feuilles. Dans les feuilles. Et là, on prenait le pouls. Il ne fallait pas que ça aille plus loin que ça. C'était absolument extraordinaire. Tout ce qui est dans l'amour sera un cadeau. Le vrai cadeau, il est venu même dans le peuple juif et qui a été malheureusement mal traduit. Le mot traduit est déjà malheureux. Si bien le mot traduit est déjà malheureux. Donc nous travaillons en littération, comme un grand exégète juif qui s'appelle Rashi. Donc c'est un des rares qui a travaillé en littération. Donc la notion de l'amour, c'est le fait de prendre chaque lettre et de les juxtaposer de manière à ce qu'on aille vers l'autre. La qualité que nous avons en tant que créature et non pas créateur, c'est que nous avons besoin de l'autre pour vivre. C'est absolument nécessaire. C'est impossible de vivre sans l'autre. C'est absolument impossible. Ça commence dans la civilisation, par le mot civil,
Donc il va donner un petit peu plus tard le mot intelligent. On ne peut pas être intelligent tout seul, ça n'existe pas. Dans le mot intelligent, vous avez elect, c'est-à-dire choisir le meilleur d'entre vous pour le partager avec l'agent, féminine ou masculine, de manière à la partager avec l'autre. C'est-à-dire que la civilisation de l'amour, c'est le partage absolu. Je bénis, mais vraiment bénis, Don Patrick de Louvain. Oui, j'ai le droit de bénir, je suis un débit. J'ai le droit. Donc j'ai ce sacerdoce donc, de bénir un Don Patrick de Louvain, parce que parler de l'amour, ça, non seulement c'est à la mode, c'est la chose qui ne se démode pas, qui est bien commode, et qui va donner le mot mode, qui va donner et changer le nom de Yathrib en Arabie Saoudite par le nom de Médina, de Médine, qui va être à l'origine de la prévention du mot médecin. Don Patrick Golbier est un médecin de l'amour, c'est-à-dire il va prévenir la Médina. Le gouvernement israélien aujourd'hui s'appelle comment ? La Médina. C'est son nom. Voyez, la Médina, c'est être au milieu des autres, dans la prévention. Médina va donner médecine. Et il y avait même déjà à l'époque des maladies qu'on ne pouvait pas soigner. Mais avec la civilisation de l'amour, tout est guérissable, absolument tout. Merci, Don Patrick de Louvain. Merci. Merci. Merci André pour cette passion pour la sagesse hébraïque. Et alors maintenant, last but not least, je voudrais demander au docteur Reda Benkirane, un sociologue et intellectuel marocain, spécialiste de la pensée réformée en islam, et aussi consultant auprès des Nations Unies et du Comité international de la Croix-Rouge, mais aussi auprès du Conseil œcuménique des Églises, de nous donner un point de vue musulman. Voilà. Merci Reda d'être avec nous. Merci, merci de m'inviter et de figurer parmi cette éminente assemblée. Je suis très sensible, disons, à l'aspect, aux compétences, académiques du professeur. Donc c'est très intéressant d'avoir des gens qui sont à la fois des gens de religion et des gens qui peuvent étudier, percevoir la réalité et les religions à travers les sciences sociales. Moi, j'interviendrai volontiers, on m'a assigné à représenter la vision, disons, un peu islamique. C'est vrai que la civilisation de l'amour résonne de beaucoup d'heures de sagesse ou de grands hommes de religion en islam. Et effectivement, ça parle beaucoup aux musulmans. Donc il y a des choses intéressantes à dire. Mais comme vous l'avez peut-être signalé aussi dans ma présentation, je suis chercheur en sciences sociales, mais très influencé par la transversalité, l'interdisciplinarité, donc je suis assez indiscipliné et je crois que l'idée c'est de traverser un peu les disciplines, les cultures, et donc je refuse un petit peu ces assignations, même académiques. Voilà, la discipline créatrice, la transversalité c'est aussi l'avenir dans les sciences sociales et dans l'accès au savoir, parce que justement nous sommes face à des défis, que ce soit dans à peu près tous les domaines, qui nécessitent justement toutes sortes de compétences. Donc la capacité d'avoir un point de vue plus global, plus holistique, et la capacité de dialoguer et de créer des débats. Donc, pour parler d'un point de vue islamique, je ne sais pas, j'ai retenu deux, trois choses, mais disons un axe axiomatique à partir de laquelle je vais commencer, c'est de voir que, par exemple, dans le texte coranique, donc le Coran, qui est la parole révélée, la parole sacrée, le texte sacré des croyants musulmans, si vous voulez, j'ai essayé dans mon travail de réfléchir à dégager des différentes profondeurs logiques de ce texte coranique. Et donc, dans le Coran, vous avez des différents thèmes, mais vous avez différentes formes de rationalité. Vous avez des aspects, des versets, des chapitres qui évoquent l'aspect anthropologique. Vous avez l'aspect cosmologique, la perplexité devant la création. Vous avez des phénomènes de métalogique, c'est-à-dire que le Coran, donc l'auteur du Coran, est Dieu. Donc, le Coran parle de lui-même. Et ça fait, donc vous avez différentes formes, mais au cœur de du Coran, au cœur de la raison coranique, vous avez Al-Haq. Al-Haq, c'est un concept qui veut dire, c'est un mot qui veut dire au moins
qui a une polysémie de signification, justement, de signification, mais qui veut dire au moins quatre axes majeurs. La réalité, le droit, la vérité et Dieu. Al-Haq, c'est aussi le nom de Dieu. Et donc, dans ce parcours, dans ce défi de parler de la civilisation de l'amour, on a évoqué, disons, le parcours de Paul VI, comment il a été amené à réagir par rapport à la civilisation de la mort. Moi, j'aimerais procéder justement par rapport à qu'est-ce qui nous met en danger aujourd'hui, véritablement. Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est... Quel est l'ennemi, en fait, qui nous réunit ou qui... Et je pense qu'effectivement, réfléchir à partir d'une civilisation de la mort, c'est un aspect de la réalité, parce que ça nous ramène à un aspect du haq, qui est la réalité. Nous sommes tentés, avec des intelligences et des spiritualités, de nous élever et de ne pas voir, disons, des réalités qui sont marquées par la violence, la guerre, la crimonie, la détestation réciproque et mutuelle. Mais fondamentalement, moi, ce que je trouve fascinant à observer sur le plan des sciences sociales, ça a été un peu évoqué par le professeur Jean Zickler, c'est que nous sommes en train de voir sous nos yeux émerger une sorte de nouvelle religion qui a commencé il y a quelques décennies, mais qui est aujourd'hui la première croyance sur la surface de cette Terre. Donc la première religion sur cette Terre aujourd'hui, ce n'est pas telle ou telle tradition monothéiste, mais effectivement la croyance en un libre échange, la croyance en la marchandise, en la marchandisation de tout. Le capitalisme est aujourd'hui, dans les sociétés postmodernes, a atteint son stade ultime qui est transcendantal. Et c'est la première forme de croyance, l'idée que l'économie ne ment pas, que le fameux titre, there is no alternative, que c'est la logique marchande qui dissout pratiquement toutes les autres formes de rationalité et de croyance. Et je suis très sceptique sur la manière dont on présente les oppositions des religions aujourd'hui. On assigne les individus à des différences et on les cantonne dans ces différences et on joue des fondamentalismes. Mais je crois que fondamentalement, ce n'est pas le religieux qui est en train de triompher, c'est justement une civilisation de la mort qui prend la forme d'une croyance collective et qui va nous amener, si nous ne réagissons pas, à un destin qui va nous embarquer tous, qu'on le veuille ou non, dans un destin à la funeste, à la titanique, c'est-à-dire que nous sommes embarqués dans la même galère et que je ne parle pas de... C'est la planète dans son ensemble qui est menacée. Nous n'avons pas les moyens de poursuivre cette religion du dieu marchand, cette dérégulation, ce capitalisme qui a fait du traitement de la pauvreté une affaire simplement de soins, de care. Donc la lutte contre la pauvreté qui est un phénomène structurel est maintenant reléguée à un aspect peut-être moralisateur ou éthique. Et nous avons des économies de rente qui s'installent, mais pas simplement regarder parmi les plus grandes fortunes du monde l'extrême rapidité avec laquelle ces fortunes se sont faites. Donc nous ne sommes plus dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme où Max Weber montrait que la valeur travail était une notion qui avait émergé le Bérouf, était une manière qui avait émergé d'une tradition spirituelle et c'est protestante. Et qu'il y avait, c'était une manière de gouverner cette pulsion de profit. Moi, je dirais que cette pulsion de profit aujourd'hui, c'est celle qui est en train de vaincre et qui nous menace tous. Alors, effectivement, je pense qu'il faut que l'on se rende compte que derrière ces faux conflits de culture et de religion, il y a un consensus pour dire que ce qui nous gouverne, voilà, c'est une économie qui, si l'on continue à ce train, va faire que nous allons atteindre les limites physiques de la planète. Tous les économistes disent que nous n'avons pas les moyens de consommer, de poursuivre ce rêve néolibéral, de faire que cette classe moyenne émerge et qu'elle consomme. Il faudrait plusieurs planètes. Donc, il me semble un tournant, et évidemment, parler de civilisation de l'amour, c'est quelque chose. Voilà, on aborde un autre aspect, c'est peut-être réagir par ça. À cette réalité et faire établir le droit des individus à avoir un autre avenir. Et c'est pour ça que je vois la seule forme d'espérance dans les mouvements sociaux, en tant que sociologue, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que j'ai fait, les premiers germes, les premiers termes de ce que j'appellerais peut-être une révolution du XXIe siècle qui a commencé
avec les révolutions sociales dans le monde arabe, mais qui s'est poursuivie dans toutes les différentes capitales européennes, une jeunesse qui est de son temps extrêmement instruite, qui utilise les médias d'information, essaye de se révolter contre toutes formes de tyrannie. Alors évidemment, dans le monde arabe, c'est une tyrannie politique, mais il y a aussi la tyrannie des marchés, la main invisible, cette main invisible qui dit tout. Et on privatise les biens, donc maintenant les effets de l'inégalité sont, c'est des chiffres à quatre plans. On parle d'une infime partie de la population qui possède 80 ou 90% des richesses. Et puis quand il y a le collapse financier, on socialise les pertes et on demande aux États qui sont fragilisés par cette logique qui dissout toute forme de rationalité et qui présente les alliés d'une religion. Une secte qui a réussi, qui devient une religion, c'est parti de la rencontre du Mont Pèlerin en 1947 ici, et qui finalement est toute victorieuse. Un autre aspect du hack de la rationalité, c'est qu'il faut aller vers la vérité. Et justement, c'est dans ce monde invisible qu'il faut essayer peut-être de se dégager, de voir au-delà du visible, au-delà de ces manifestations agressives ou identitaires, de ces affiliations, ces fausses affiliations. Ce n'est pas ça qui menace le monde. Ça, c'est les règles du jeu qu'on veut nous imposer pour que... Moi, je peux vous donner un exemple depuis la tradition du monde musulman. Regardez aujourd'hui les villes comme, regardez la Mecque, qui est considérée comme le lieu le plus sacré. Aujourd'hui, il y a une profanation sur le plan urbanistique, architectural de ce lieu. Et aujourd'hui, autour de l'enceinte de la mosquée sacrée, de la Kaaba, qui représente le nombril du monde, qui est le lieu d'un pèlerinage d'un arc-en-ciel humain, vous avez aujourd'hui un môle qui s'est construit, une tour, sur le modèle architectural de Las Vegas, la cité du vice et du jeu. Et ce modèle est en train de fleurir, c'est Dubaï, Shanghai, Doha, oui. Donc moi je vois que maintenant, on en arrive à que ces villes-là deviennent les capitales spirituelles du capitalisme financier et politique. Donc c'est pas du tout, je ne passe pas du tout dans une approche marxiste, etc. C'est simplement que je vois là la civilisation de la mort et qu'il faut faire valoir le principe de réalité, il ne faut pas qu'on soit utopiste, qu'on rêve, il faut qu'on fasse valoir le droit des peuples, le droit des individus à réagir. Et c'est pour ça que j'accorde les seules espérances, c'est parmi cette jeunesse du monde entier qui manifeste et autour de mots d'ordre qui sont dignité, liberté, égalité, et qui veulent élargir les horizons, possibiliser l'avenir. Et évidemment, dans la tradition islamique, cette notion d'amour parle, et évidemment, il y a beaucoup de formes d'amour qui ont été exprimées. Et je pense beaucoup, j'aurais pu citer peut-être des poèmes des grands penseurs mystiques, mais on revient, là, on rejoint le retour à Dieu, parce que finalement, je vais vous citer un hadith, un propos prophétique. Qui parle de Dieu, qui dit « J'étais un trésor caché, je n'étais pas connu et j'ai aimé être connu. Je créai donc les créatures et je me fis connaître à elles de sorte qu'elles me connurent. » Et parmi l'interprétation qui est proposée par un penseur mystique comme Ibn Arabi, qui a produit une œuvre absolument incommensurable, il montre que Dieu, à travers cette idée de « J'étais un trésor et je n'étais pas connu, j'aimais être connu, j'ai créé les créatures », c'est lui qui l'aime à travers les êtres existentiels, je le cite. C'est donc lui qui se manifeste à tout être aimé et au regard de tout amant. Il n'y a ainsi qu'un seul amant dans l'existence universelle, et c'est Dieu, de telle sorte que le monde tout entier est amant et aimé. Et évidemment, dans cette veine, Ibn Arabi a exprimé à propos de la foi quelque chose de magnifique. Il dit, et c'est quelque chose qui peut-être sort de l'orthodoxie islamique, mais il a exprimé cette idée que dans l'amour, il y a l'idée de transcender les appartenances, les affiliations. Et par rapport à la question de la foi, il dit une parole magnifique, les êtres se sont formés au sujet de Dieu, des croyances, et moi, je professe tout ce qu'ils ont cru. Et donc, pour conclure très rapidement sur cette question de l'amour, et pour vous dire que dans la tradition islamique, et contrairement à la lecture sécuritaire, politique, militaire qu'on fait de l'islam aujourd'hui, parce que l'islam me semble être plus que cette dimension réductionniste,
Il y a cette dimension de l'amour et de la fraternité. Les croyants, les musulmans, l'humanité, les gens sont frères et sœurs entre eux, donc il n'y a pas un point de vue différentialiste. Il y a cette très belle parole que je voudrais offrir en partage avec vous pour conclure. Mon cœur devient capable de toute image. Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines, temple pour les idoles, maître pour les pèlerins, tablette de la Torah et livre du Coran. Je suis la religion de l'amour. Partout où se dirigent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. Merci. Merci, Dr Benkirane, pour ces magnifiques citations et pour montrer effectivement que l'islam contient aussi cette dimension de la civilisation d'amour et aussi pour dénoncer malheureusement cette piqûre de mort qui atteint même certaines vies sacrées. Maintenant, avant de donner la parole à l'assistance, parce que je crois que nous avons encore quelques minutes, je voudrais saluer évidemment le nonce apostolique, Mgr Simeone Tomasi, qui a bien voulu co-parrainer cet événement avec la mission de l'Ordre de Malte, et je serais heureux de lui donner peut-être l'occasion de s'exprimer en premier dans ce débat, si vous voulez bien venir au podium ici. Ça, on pourrait entendre sa contribution, et ensuite, on aura peut-être quelques minutes pour une question d'assemblée. Voilà. Merci, Monseigneur. Je dois remercier le panel parce que les présentations ont été excellentes. Je dis simplement que la première lettre encyclique de Paul VI sur l'Église était centrée sur le dialogue. Il a commencé à présenter le dialogue comme la méthode pour se confronter et rejoindre les autres communautés, les autres religions, les autres idéologies politiques. Et à travers ce dialogue, il voulait arriver à la justice. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion d'un cycle dans les institutions internationales. On a parlé des Nations Unies, de la Banque mondiale, peut-être d'autres institutions internationales. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé d'instituer des structures qui pourraient prévenir les conflits, les guerres, la haine. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un moment quand les institutions internationales sont faibles. Ils ont de la difficulté à prévenir l'explosion de la violence. En Afrique, en Moyen-Orient, dans d'autres coins du monde, hein, c'est pas seulement le Moyen-Orient. Alors, on doit se demander pourquoi, quelle est la raison qui empêche à ces institutions d'être efficaces. Et je pense que c'est une idée qui est à la racine. Il y a une culture qui est devenue extrêmement individualiste et, comme disait Ben Carr, qui marchandise tout, hein, est devenue une culture qui a perdu la dimension de la transcendance. Alors, est-ce que il est possible aujourd'hui, à travers la civilisation de l'amour, récupérer de quelque manière l'âme humaine pour créer un contexte politique, un contexte social qui nous donne la paix et pas la violence. Je dirais que ça est la réflexion que les textes du pape Paul VI sur la civilisation de l'amour nous force à adopter dans ces moments. Et j'espère que
cette discussion ouvre la réflexion à essayer de trouver la voie pour réjouvener de quelque manière le message même chrétien et le message qui vient du cœur de toutes les religions, que c'est vraiment que Dieu est amour. Merci, Monseigneur. Et maintenant, est-ce qu'il y aurait, je crois qu'il y aura le temps pour deux ou trois questions. Alors, Jorge Ferreira, si tu veux t'exprimer ici, ou bien peut-être faire ici. Je crois que déjà dans les années 60, le pape Paul VI nous a mis en garde contre certains courants philosophiques qui prenaient la mort de Dieu, disant que la conséquence serait la mort de l'homme. Et je crois que nous y sommes en plein. Et ce que vous avez dit, et je remercie infiniment tous les intervenants, je crois que ce que vous avez dit cet après-midi allait profondément dans ce sens-là. Nous assistons, au lieu d'une vision intégrale de la personne humaine dans laquelle toutes ces dimensions, aussi la dimension spirituelle est respectée, nous avons chosifié l'être humain. Et nous avons la personne vue comme un objet sexuel, c'est courant, un objet de commerce pour la rentabilité, un objet qui sert de trampolin pour promouvoir l'ascension d'autrui, et même, pire que tout ça, une arme. Une arme qui est même utilisée dans des cas concrets de divorce qui se passent de manière conflictuelle pour agresser l'autre. Avant-hier, j'avais une petite qui me disait devant son père, « Papa, toi tu dis une chose, la maman dit le contraire, comment savoir qui dit vrai ?» Une petite de 5 ans. Confrontés à cela. Et les enfants, les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des modèles, à des pseudo-valeurs qui prônent avoir tout de suite, avec le moindre d'efforts possible et le maximum de plaisir. Je crois qu'il n'est plus question de religion, mais c'est une question de survie de l'être humain et qui concerne l'ensemble des acteurs dans la société. Et ma question, si j'ose la proposer, c'est comment réagir? Pouvons-nous continuer à assister à ces spectacles, les bras croisés, sans agir dans une profonde unité, respectant la diversité des courants et des pensées de chacun? Merci. Merci. Je crois, avant de demander une réponse, ou est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait répondre immédiatement? Oui, peut-être, oui. Vite, est-ce qu'il y avait encore une ou deux autres questions? Une. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vais... Ah bon, non, c'est une erreur. Madame, s'il vous plaît, mettez-vous en évidence. Oui, allez-y. Okay. Merci beaucoup. Je suis Madame Mandela, c'est étudiante à la Sorbonne. Justement, je voulais encore louer M. Ziegler parce que j'ai une modeste association humanitaire contre la famille. Et justement, je reviens sur la question de monsieur. On a assisté modestement à une réunion à l'Espérance où j'ai demandé à M. l'abbé, l'homme de Dieu, la violence. En Afrique, il y a eu une région, on a dit Tutsi contre Hutu. Et maintenant, c'est la violence de l'indifférence, de l'ignorance de l'être humain. Monsieur Ziegler, on va où? Ou bien on doit tous boire des comprimés, on se couche, on meurt. Parce que nous avançons aveuglément vers la mort. La mort est en train d'avaler nos enfants à l'entrée du cousin. Monsieur Ziegler, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est en train d'avancer vers nous. Nous allons où? Nous faisons où? Nonobstant toutes les prières, nonobstant toutes les réunions aux Nations Unies à New York, mais la mort est en train d'avancer à grands pas vers nous. Que ferons-nous, s'il vous plaît? Merci, madame. Alors, je crois que je vais donner la parole à nos intervenants. Est-ce que Jean a été interpellé directement? Je voulais d'abord dire que madame fait un travail magnifique à travers votre association. Il ne faut pas minimiser
l'impuissance, mais c'est toujours après coup qu'on se rend compte. Ce que vous faites est magnifique, je vous félicite et j'espère que plusieurs personnes qui sont ici vont se joindre à cet effort collectif que vous dirigez. Quant au fond, c'est évidemment Tom Patrick qui va répondre. C'est lui qui est l'auteur de ce magnifique livre et c'est lui, aujourd'hui, qui nous apporte la parole du Saint-Esprit. Écoutez, ce qu'il y a de peut-être le plus intéressant ici, ce n'est pas un livre, c'est que vous soyez là. Et que vous soyez venus nombreux pour un sujet qui était, on l'a évoqué à plusieurs reprises, qui n'était pas aux premières loges, surtout dans cette enceinte. Et même les chrétiens qui ont une doctrine sociale très développée, oublient quelquefois une dimension de leur sagesse. Il n'y a pas que l'économie politique, il y a l'économie du salut. Et je signale d'ailleurs que quand les Russes, les orthodoxes se sont donnés d'une manière un petit peu incohérente une doctrine sociale, la première chose qu'ils ont dit, c'est ce qui est essentiel, a dit le patriarche Kirill quand il a rédigé ça, c'est l'économie du salut. C'est vrai. Il y a les deux, il y a l'économie politique qu'on a incarnée, mais l'économie du salut. Et aussi l'aspect, si vous permettez d'évoquer, mais qu'il faudrait, eschatologie. On est en route, l'humanité n'est pas installée comme dans les rêves du New Age où on voudrait reconstituer une sorte de paradis. Ce n'est pas le cas. Le mal continuera, et Jean en a parlé avec beaucoup d'éloquence, le mal continuera à être de plus en plus radical, et nous sommes les témoins de cette radicalité dans le domaine juridique, hein, où l'anthropologie chrétienne est manipulée, détruite sous nos yeux. Des choses qui, il y a 20 ans, seraient inimaginables, deviennent quotidiennes. Alors, voilà. Et ce qui me réjouit, c'est que le mot « amour », et grâce à notre ami Michel Vetet, est devenu un sujet dont on parle dans la société à l'ONU. Et ça laisse toutes les espérances. Il n'y a plus d'utopie. Il y a une réalité de gens qui se sont déplacés, de gens qui ont voulu réfléchir. Alors merci aux intervenants qui ont été très brillants, y compris Jean Diglet. et nos autres amis qui se sont montrés très inspirés de par Nicolas Michel, vous et là. Cette réflexion, vous n'avez pas parlé du soufisme, mais vous avez parlé de la mystique musulmane. Et ça, c'est un trésor. Et merci d'avoir évoqué ça à propos de la civilisation de l'amour. Bon, et alors, merci à vous tous de votre participation. Vous avez voté en vous déplaçant. Merci. L'amour n'est pas une utopie, mais une espérance nécessaire, et que cette civilisation ancrée dans une dimension spirituelle est le fruit d'un dialogue que nous devons absolument poursuivre. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, Patrick Delouvier est prêt aussi à signer son livre. Non, voilà. Non, mais je ne vais pas le lire, c'est une signature. Oui. C'est une signature de quoi ? Le son livre. Ah, okay.